Et bonjour à tous, tout le monde se retrouve pour ce troisième épisode de Dragon Ball Z Kakarot sur la chaîne. On était arrêté ici, on avait fait une petite mission secondaire avec Nam qui nous avait donné son emblème et qui nous avait sucé la bite. Non, je rigole. Allez, on doit faire une petite mission principale maintenant. C'était quoi les missions principales? C'était les points d'exclamation rouge, hein. C'est bien ça, hein. Trouver Raditz et récupérer. Ouais, il était dans la capsule là-bas. Après, une petite mission secondaire là-bas aussi en bleu. Mais je vous propose. Mais mec, il vole. Comment je faisais pour voler? Bordel! Ah ouais, c'était comme ça. Oh, les gars, franchement, premières impressions sur le jeu après deux épisodes. Kiff total pour l'instant. Regardez-moi ce monde libre, les gars. Je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie d'aller faire l'émission, je la fais pas. Si j'ai envie de gratter des boules pendant 3 heures, je le fais. Piccolo qui me suit, putain, stylé. Voilà, si j'ai envie de tuer des animaux, je fais ce que je veux, tu vois. J'ai envie de cuisiner, je le fais. Là, c'est quoi ça? Tu vois là, un dinosaure, je peux le niquer, ce dinosaure. On va le niquer. On va niquer ce dinosaure, les gars. Je suis chaud. Je suis chaud. Je peux pas le taper? Laissez-moi taper le dinosaure, bordel! Attendez, peut-être que je peux. Mais c'est pas possible. Aïe, arrête-toi! Tu vas trop vite! Oh là, robot de chiasse! Putain! Niveau 1 en plus, allez, tu mérites la mort, mec! Tiens, caméra dans ta gueule! Allez, hop, toi c'est fini! Putain, il m'a mis un coup de roquette dans la. Fils de chien! Allez, ciao. Par contre, ces petits robots, je spoil, hein. Ces petits robots, au fur et à mesure, ils vont nous faire un peu chier, on va pas se mentir. Putain, niveau supérieur, j'ai pris. Je peux pas lui lancer une petite caméra dans sa gueule. Non. Allez, bref, on est parti. Allez, paf, on accélère. Pas que ça à faire. Croissance de personnages, se nourrir. Manger des plantes, de la nourriture peut aussi augmenter tes statistiques de manière permanente et fournir des effets de soutien à durée limitée. Les améliorations de tes statistiques seront mineures avec un seul plat, mais en effet de soutien seront plus puissants en raison de leur durée limitée. Manger plusieurs plats en même temps permettra de regagner plusieurs effets. Ok. Tout le monde dans du jeu aide. Tout dans le monde du jeu aide Son Goku et ses amis à progresser. Essaye le plus de choses possible à créer ta propre. Ok, ça c'est vrai. Ils ont juste poisson buick juste après. Ah, je peux l'utiliser maintenant enfin. Ah, donc j'ai tout ça que je peux manger. Putain, mais c'est trop stylé. Mangeons ça. Veux-tu vraiment manger un repas? Ouais. Il devient plus fort, mais j'ai envie de manger un autre plat. Je peux pas. Ah, ok, donc en fait, moi j'étais là, mais où est-ce que je peux manger le plat et tout? En fait, c'est que maintenant. Chichi nous l'avait préparé au premier épisode, je pense. Ah, mais qu'est-ce que. Une puissance du niveau de 710, mais où est-ce que. Le rejeton de Kakarot? Impossible, cette saleté est détraquée. Quoi encore? Encore un signal et il se dirige droit sur moi. 332 et 300 aidés, ce sont eux. Alors, qu'est-ce qui vous amène? N'est-ce pas évident? Je vais récupérer mon fils. Où est-il? Tu le caches quelque part? Tu en avais assez de ces hurlements, alors je l'ai enfermé là-dedans. Mais oublie ce morveux, ne me dis pas que tu te crois de taille à m'affronter. Imbécile, tu ne mérites pas de te faire appeler Saiyan, tu vas mourir. Aïe, 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 aïe. Le combat contre Raditz, c'est parti les gars. Je crains que ce combat soit quand même un peu plus compliqué que les autres, hein. On va pas se mentir. Aïe, putain! Aïe, 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 on se défend, putain! What the fuck, mon gars? Et il va être compliqué, lui. On va essayer de placer des trucs, mais... Soutien, allez. Vas-y, soutien, on voit des trucs. Voilà, bien joué! Ok, on commence à comprendre le bordel. Paf, 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 paf. Petit combo à Kamehameha. Non. Ah là là, il m'a pas laissé faire. Ah, il faut qu'on esquive ça, putain. Vas-y, fais-lui quelque chose. Putain de merde. Ah, je peux pas tout le temps utiliser le soutien, en fait. Je dois attendre que ça se remplisse, la petite barre en bas se remplisse, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça. Putain, à chaque fois que j'essaie... Sarabada. Aïe, putain, je suis fatigué. Tiens, prends ça dans ta gueule. Putain, il évite chaque fois mes Kamehameha, cet enfoiré. Comment je faisais pour foncer encore sur mon ennemi? Ah ouais, c'était comme ça.
Tac, 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 tac. Allez, Piccolo. Fais quelque chose. Bien joué, Piccolo. Aïe, putain. Je pense que j'ai pas... Aïe, je suis fatigué. Je pense que j'ai pas encore de transformation. Aïe, putain. Tiens, on a pris en sandwich. Et il a combien... Il est niveau 6, le Raditz, hein. Moi, je suis que niveau 3, sa mère. Fallait peut-être que je m'entraîne un peu plus ou que je fasse des missions secondaires. Je l'ai fini! Ou moi, je suis mort. S. Ouais, non, c'est moi qui l'ai défoncé. Mais il avait encore pas mal de PV, hein. On a pris le niveau 4, là. Stylé. Et hey, même avec votre puissance combinée, vous restez pathétique. Le japonais quand même les gars. Mais comme tu n'as pas tenu compte de mon avertissement, tu ne mérites pas de vivre. Nani? C'est une plaisanterie. Et ouais les gars, on est défoncés. Alors que le mec il est encore... Tu sais quoi, comme tu vas mourir, je peux bien te le dire. Les deux autres Saiyans dont je t'ai parlé, ils sont encore plus puissants que moi. Ah ouais, c'est Vegeta et Nappa. Son Goku, si tu as une autre attaque cachée dans ta manche, c'est le moment. Désolé, je suis vidé. Il me reste plus que ma bite et mes couilles. Heureusement pour toi, je me suis entraîné et j'ai mis au point une nouvelle technique. Ouais, c'est le Makanko Sapo, je pense. Vraiment? Un plan? Pff, autant s'allonger et attendre la délivrance de la mort. Je vais juste avoir besoin de temps pour accumuler suffisamment d'énergie. Kakaru, je vais avoir besoin que tu l'occupes pendant que je gère ça. Très bien. Compris. Je ferai le maximum. Prépare-toi. Ok. Ouais, c'est ça. Elle traverse sa mère. Mais en même temps, elle traverse son Goku aussi. Et il meurt. Je pense que c'était ça. C'est la première fois que Goku il meurt, enfin ou la deuxième, je sais plus. Sarabada. Là je suis solo, j'ai plus de soutien, putain. Putain mais c'est trop facile, si à chaque fois que je l'approche il me fait valdinguer. Ah ouais c'est vrai, je peux aussi faire ça en vrai, non? Tiens dans ta gueule. Aïe 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 aïe, non 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 non. Oh putain! Oh là 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 là! Quelle attaque de fou! Aïe 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 aïe, putain, ça va être compliqué. J'ai pas de soutien. Mes Kamehameha qui ne passent presque jamais. Ok les gars, il va falloir qu'on gère le bordel, on est niveau 4. Tiens, allez. Putain, il s'est jamais pris un Kamehameha le mec, hein. Tiens, allez, paf. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas charger notre Kamehameha pour qu'il soit plus puissant, on va dire. Enfin, peut-être qu'après on pourra, hein, mais en tout cas pour l'instant, zéro hypothèse. Aïe aïe aïe. Tiens, allez. Putain, il a encore combien de jauges de ville, mec? Imbattable, hein. Aïe aïe aïe. Putain, cette technique-là, elle est compliquée. Aïe. Faut vraiment que je l'approche en vrai de... Je tape au maximum corps à corps. Tiens. Putain, il a quand même défoncé, hein. Aïe. Non, Goku. Ok. Ah, ça va trop vite. Putain, mais c'est quoi cette attaque de fou? Ça veut rien dire. Aïe. Sarabada, je suis en train de crever, hein. Mais j'aurai jamais toutes ces vies. Il est encore dans la vie bleue, putain.
Il a encore les PV bleus, les gars. Aïe, 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 putain. Aïe, 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 aïe. Je vais te fatiguer. C'est comment encore pour voir les conditions de combat? Attends. Baradit, putain. Commande. Combo. Ah, il faut que je regarde les combos. Appuie plusieurs fois sur B, ok. Appuie sur Y, X pendant un combo pour effectuer une finition correspondant à la touche utilisée. La finition réalisée avec Y régénère ton ki tout en attaquant ton adversaire. Ok. Suivi. Lorsque tu envoies un adversaire dans les airs au combat et une attaque spéciale ou par un autre moyen, tu peux poursuivre et continuer de la frapper avec B, ok. Combat de rayon, explosion d'énergie consécutive. Attends, ça je peux le faire aussi? Dans laquelle utilise. Ah bon, non, je peux pas le faire. Combat ennemi multiple, rencontre étourdissement. Putain, ils disent rien du tout. Hein. Ils disent rien du tout. Oh putain, on est baisé. Sarabada pour Goku. Il a encore sa vie verte, putain. Impossible. Hein. Ah, ok, si je maintiens Y, je peux devenir énervé et... Putain, mais laisse-moi tranquille. Tiens. Aïe aïe aïe, je suis en train de crever. Je vais crever les gars, c'est trop chaud. Trop compliqué hein. Franchement. Après je savais pas qu'on pouvait avoir une petite transformation. Enfin pas une transformation mais avoir un, on va dire une petite un truc où on s'énerve, on est plus fort là. Putain je suis à la barre jaune. Ah là là, si je dois recommencer ça va être compliqué. Ah, il est chaud ce mec, hein, franchement. Pouah, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là là, il s'énerve. Pff, là, je suis mort. Je suis mort, les amis! Aïe aïe aïe. Game over! Oh putain! Ah, c'est trop chaud! Bon, les gars, je vais vous couper. Le temps que je le retape un peu là, plus ou moins où j'en étais. Yeah, you go.
Les gars, trop compliqué. Trop compliqué. Il a trop de PV, le mec. On en a pas assez, nous. On n'a pas de soutien. Franchement, j'arrive pas. Regardez là, je l'ai mis au PV rouge, mais je le finirai jamais avec le peu de vie qui me reste. Ça va être impossible. Ce sera Sarabada pour moi. Il me touche encore une fois, je suis mort. Hein. C'est simple comme bonjour. Dommage qu'il n'y a pas d'attaque spéciale. Hein. Genre d'attaque ultime, je veux dire. Oh non, là-bas, là, c'est fini. Il va me toucher d'office et je vais mourir. Regardez. Quand il fait sa putain de technique secrète, là, technique forte, bah, je vais me casser, je vais m'entraîner parce que ça va être impossible. Putain, ce Raditz, il me rend fou. Ah là là, mais au moins le jeu il est compliqué, tu vois, dès le début de jeu, hein, dès le début de jeu, les gars, on se fait défoncer. Je l'avais sous-estimé ce combat, franchement, je me dis on est en début de jeu, il sera pas si compliqué que ça. Putain, je suis revenu à l'écran titre, carrément. Sérieux? Pourquoi j'ai fait ça? Je croyais qu'on pouvait simplement bouger du combat en fait. Putain, sérieux? Oh là là, je reviens ici. Ah non, là. Ok, sauvegarde automatique. Aïe. Ah, il faut clairement que je m'entraîne. Hein. Il faut clairement que je monte de niveau ou quoi. Ou que je mange des plats là parce que ça va être très compliqué de battre ce mec. Hein. Il a beaucoup plus de PV que nous. Il a, je pense, le double de PV que nous. Et il fait plus mal que nous. Donc, dans tous les cas, t'es dans la merde, tu vois. Ah là là, putain, on galère. Putain, j'imagine pas les combats contre Freezer, Cell et tout. Hein. Qu'est-ce que ça sera, hein. Vegeta aussi, les combats. Le combat contre Vegeta juste après. Parce que normalement, le combat de Vegeta, c'est après Raditz aussi. Putain, ça va être la galère totale. Hein. C'était comme Xenoverse aussi, putain. Xenoverse. Je pense le 2, il y avait des combats, mon gars, où je mettais 10 ans à les passer dans le mode histoire parce que c'était impossible. Genre le combat contre Beerus, là. Le mec, il a 1 million de PV. Il défonce, c'est impossible. Tu dois faire que des attaques ultimes l'une après l'autre, sinon tu le bats pas. C'est trop chaud. Et à mon avis, ce jeu-là, ce sera plus ou moins pareil. Hein. Ce sera des combats hyper blindés, chauds des fois, où tu vas galérer. Ok, bon, on est à côté du truc, mais je peux pas genre manger des plats. Ou vous savez quoi, on va aller faire la mission. Attends, on est niveau 3 seulement. On va aller faire les missions. Lui il était niveau 6, hein, c'est ça. On va aller faire les petites missions secondaires ici, là. Ça peut-être nous aider à. C'est par là, non? Pas du tout. Ah, c'est ça. Très bien. Aïe, mais. Mec, calme-toi! Très bien. C'est quoi ça? Parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire cette mission, on va voir si ça nous donne de l'XP. Non, c'est impossible, Franky. Sangoku, c'est bien toi? On va un peu passer. C'est des punitions secondaires, c'est pas très important. Je suis sur une piste, nani nana. Ah oui, t'as envie de te battre, c'est ça? En fait, j'ai horreur de me battre. Il s'agit d'une unité abandonnée, je dois l'empêcher de nuire. Je vais bien m'aider. Ouais, je vais t'aider.
Donc de l'XP, médaille D, tablier en soi, ok. Gentil géant, très bien. On va faire ça, hein, à mon avis, ça peut nous aider à... Les rames auraient dû passer longtemps, nanana. Ok, on doit tuer des gens en fait, des mecs, peut-être des robots ou... Très bien. Compris, je m'en charge. Alors, est-ce qu'ils vont nous indiquer plus ou moins où est-ce qu'on doit aller? Telle est la question. Va affronter les robots destructeurs avec Son Goku. Va affronter les robots destructeurs avec Son Goku. Ouais, mais ils sont... Ah, ils sont là-bas. Très bien, on va aller affronter ces robots. En espérant prendre de l'XP pour monter au moins niveau 4-5. Ce serait cool. Ce serait bien aussi de prendre ça, hein. De prendre des petits trucs comme ça. Tac. Ça, on en prend pas mal. On monte un peu. Ils sont ici. Ils sont censés être là, les robots, non? Zéro robot ici, hein. Zero robot. Quoi ce bordel? Ah, ils sont là. C'est ça, non? À mon avis, c'est eux. Petit lag, hein, comme on a pu le voir. Comme d'hab. Là, ils sont niveau 1, ça va le faire au calme. Trop facile. Ça va être simple comme bonjour, ça. Il y en a encore? Apparemment, il y en a encore. Ouais, il me semblait qu'ils étaient plusieurs. Hein. Dun, dun, dun. Ah, en fait, c'est là que je devais descendre, tout simplement. Putain, il faut que j'apprenne à contrôler ce mec, hein. Ok, c'est ça, en fait. Ça qu'il fallait défoncer. Bip bop. Ok, c'est parti. Ah, niveau 5 quand même, hein. Ah, ok. Là, tu parles... Là, on parle... On parle plus chinois, là. Putain de merde. Aïe, 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 ils sont résistants, ceux-là. Putain de merde. Piccolo fait quelque chose, hein. T'es là, tu rêves, mon pote. Bien joué. Allez, on va focus un mec et on va aller le défoncer. Putain, ils sont beaucoup plus résistants que les autres robots de niveau 1. Hein. On va pas se mitonner. Il est niveau 3. Allez, paf, il est mort celui-là. Très bien. Aïe. Allez, on est parti pour celui-là. Ah, il esquive et tout, le mec, hein. Kamehameha dans ta gueule. Kamehameha, ça aide beaucoup, hein, franchement. Tiens, toi, t'es mort. Il en reste combien? Il reste celui-là, niveau 5, qui a presque rien fait. Ok, Piccolo qui m'a aidé. C'est cool. Ok, lui il est mort. Il en reste plus qu'un là, je pense. Tiens ça dans ta gueule. Piccolo il peut pas encore intervenir. Très bien, je pense que c'est bon. Il en reste encore? Yes, c'est bon. Parfait. XP gagné. On a rang S, niveau supérieur. Ça c'est cool. Pfiou, sympa l'entraînement. Je ferais mieux de retourner voir Franky. Très bien, on va aller voir Franky. On est déjà là. J'ai réglé les problèmes des robots, Franky. C'est vrai, merci, ok. Parfait. Il me donne des légumes. Merci, Franky. Thank you. Arigato. Allez, c'est parti, c'est cool. Histoire terminée.
Bah voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, là on est niveau 4 alors. On a obtenu l'emblème, donc ça peut nous aider ça aussi. Obtenu l'emblème, dame suivant, C8. Ok, donc lui c'est C8. Parfait, on va directement aller le mettre dans, dans groupe. Non, non, c'était pas là. Mais je peux pas genre... soutien 2, j'en ai pas. Je peux pas genre améliorer mes trucs. Arbre de compétences. C'était pas là que je pouvais améliorer des trucs. De piccolo. Je peux améliorer des trucs de piccolo, mais je préfère les améliorer direct chez moi, non? Ça, par exemple. Est-ce que je peux améliorer? Explosion d'énergie consécutive. Je peux même pas. Je l'utilise même pas, ça. Je peux pas l'améliorer. Ah, bah voilà. Ici, je peux. Frappe corporelle. Putain, je peux changer mes explosions d'énergie consécutive. Voilà, je peux changer mes trucs. Pierre papier ciseaux, je peux enlever. Soutien d'attaque spéciale, c'est quoi ça? Ok. J'ai quoi d'autre? Frappe, j'ai que ça en fait. J'ai que ces trucs là. Ok. Bon, j'ai explosion d'énergie. C'est un, au moins c'est un truc en plus. Très bien. Mais genre, je peux pas améliorer mon truc dans les arbres de compétences là. Zeni Orb Z requis. Mais zéro, pourquoi je peux pas l'améliorer? Je peux pas améliorer non plus. Sérieux? Ah non, c'est bloqué en fait. Ok. En fait, ça, je les ai déjà. Ça, c'est bloqué. Ça, je peux l'améliorer. Mais j'ai pas d'orbe Z. J'en ai pas assez. Il m'en faut 400 des rouges. Ok. Ah, ok, j'ai compris en fait. Ça, je peux améliorer. Non, il m'en faut 400 rouges aussi. Ok, ça, c'est pas encore débloqué. Ok, ça, c'est quoi? Puissance suprême. Non plus... Il n'y a rien qui est débloqué en fait. Je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Mais pour manger les plats, alors, c'était où? Personnage. Piccolo niveau 3 seulement. Putain, c'est pas ouf. Ah, tu vois, ici, j'avais jamais vu ces trucs. Arbre des compétences spéciales, ouais, bon, c'est ce que je regardais tantôt. Gamme d'attaque spéciale. Voilà, c'est pour changer les attaques, très bien. Bon, au moins, on a déjà changé une attaque. Lui, il a pas d'autre truc. Gamme d'attaque spéciale. Frappe éclair du démon. Ça, il a déjà. En fait, ouais, non, il a que ça. Et là non plus, je peux rien changer d'autre. Bon, bah, les gars, on est bloqué. Par contre, pour manger, les gars, comment je faisais là pour prendre mes plats? Tableau communautaire. Déjà là, je dois mettre le robot. C8. Putain, on est déjà à 28 minutes et j'ai rien fait. Putain de merde. Comment je faisais encore? Je devais cliquer, je pense, non? Allez, je le mets là. Mais non, là, il fait des liens avec personne. Peut-être que je vais le mettre ici. Je vais pas le mettre là. Sérieux? Retirer. Voilà. Tac, compétence active. Ça monte mon truc. Je vais manger tout ce que j'ai, hein. Tête de ma mère, les gars. Ça augmente pas de ouf non plus, hein. Ça augmente un truc à la fois, c'est pas non plus le... C'est pas non plus le truc. Putain, mais je veux tout manger. Bah les couilles.
Ok, bon les gars, je pense que je peux plus rien faire, hein. Je pense qu'on est obligé d'aller, j'ai plus de mission secondaire. Les cadeaux, je sais toujours pas comment on les donne. Je vais retourner au truc de Raditz, on se retrouve quand je serai en train d'essayer de le baiser quoi. Ok les gars, j'y suis presque. J'ai un tout petit peu plus de vie que lui, franchement c'est chaud. Mais je suis niveau 5, en fait je suis arrivé au combat niveau 4. Oh non, pas ça, Zinedine! Bien joué. Donc je suis arrivé au combat niveau 4. Et puis quand j'ai gagné le premier combat, moi Piccolo contre lui, je suis passé niveau 5. Je lui ai donné 1 million de bouffe avant le combat aussi. Aïe. Ok, je l'ai défendu. Putain. On y est presque, les amis. On va le faire. On y arrive. Oh non, pas ça. Le truc incontrôlable. Tiens. Merde. Putain, il tombe dans rien. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Putain, me dis pas que je vais pas le battre. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Putain, le mec imbattable, putain. Meurs, ordure. Tiens, fils de pute. Putain, le Raditz de l'enfer, sa mère, putain. Putain. Au moins, on a ressenti que le combat dans le manga était chaud, parce que c'était vrai, c'était la réalité, mais... Putain, il faut vraiment faire les missions secondaires en vrai. Comment contrôle-t-il aussi bien son énergie? Sangoku qui l'a chopé par derrière. Tu as baissé ta garde, je te tiens, je tiens par la queue. Vos diables, quand as-tu... Bien joué Sangoku, tiens-le par la queue, ne le relâche sous aucun prétexte. Lâche-moi, je te quitterai cette planète sans violence. Mais oui, c'est ça. N'écoute pas, Sangoku, il essaie de te rouler. Ce qui est dommage hein, dans ce jeu, est vraiment dommage, c'est que dans le combat, les habits ne se déchirent pas en plein combat, en fait. Ils auraient pu faire ça en mode, au plus tu ramasses, au plus les habits sont déchirés. Parce que là, voilà... Oh, mais quel con... Tu es tombé dans un plan au plus stupide que toi tu meurs. Ce n'est pas parce que tu es mon frère que je t'épargnerai. J'aime ces cris, ce sera bientôt terminé. Putain. Tu es le suivant. Ah, il y a Sangwan qui sort. Il lui met un coup de tête comme ça, je pense. Laisse mon père tranquille. Bim. Gros coup de tête dans sa mère. Et il a pété son armure quand même. C'est quoi ce morveux? T'es mort. Ah ouais, c'est maintenant qu'il va. Il traverse les deux. Ah putain. Ouais, Sangoku contre Raditz, le premier S, le deuxième A, bien sûr, putain, c'était tout chaud. Ah là 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 là, le fameux combat contre Raditz, terminé. Impossible, battu par cette vermine. Je... Non. C'est pourtant ce qui vient d'arriver. Je n'arrive pas à croire que Kakarot soit prêt à se sacrifier aussi inutilement. Imbécile, tu me crois. Tu peux me croire, Sangoku ne restera pas mort longtemps. Quoi?
Tu ne savais pas, donc dans cette planète habitent les Dragon Ball. Elle permet d'exaucer des souhaits, tout ce que tu désires, mais ramener quelqu'un d'entre les morts. Bon sang, mes compagnons seront ravis de l'entendre. Tout ce que tu viens de dire leur a été transmis au bout de l'univers. Quand ils apprendront que je suis mort, ils viendront. Encore combien de temps avant? Quand est-ce qu'ils vont arriver? Dans un an, une petite année. Bon sang, encore un an avant que ces guerriers encore plus forts que ne fassent leur apparition. Vous n'avez aucune chance contre eux. Profitez de ce petit répit. Il est mort. Très bien. Ok, donc premier gros combat, entre guillemets, terminé. Hein, combat contre Raditz. Tortue Génial, Chrétien, les autres arrivent sur, tous sur les lieux. Piccolo leur explique ce qui s'est passé, la mort de Raditz, l'existence d'autres Saiyans, tout ce qui est... Heureusement, il résume comme ça. Hein, parce que s'il y aurait eu une cinématique où tu vois Krillin qui arrive avec tout le monde, ça aurait été chiant. Je vois. C'est tout. Allez, Sangoku, tiens bon, ça ne te ressemble pas de baisser les bras. Krillin, tu sais mourir, et bien pire que je m'y attendais. Ah, mais t'en fais pas, on va vite te ramener parmi nous. Hé, merci. Il est mort. Sangoku. Mais... Il est mort. Intéressant, je suis sûr que le Tout-Puissant y est pour quelque chose. Hein? Bon, si le Tout-Puissant s'en mêle, il n'y a plus à s'inquiéter. Vous devez récupérer les Dragon Ball, le Tout-Puissant n'est pas capable de ressusciter qui que ce soit. D'ailleurs, en attendant, le fils de Sangoku va venir avec moi. Quoi? C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Avec un peu d'entraînement et un professeur adéquat, ce gosse devrait pouvoir atteindre une grande puissance. On aura besoin de toute puissance possible quand, dans un an, les deux Saiyans débarqueront. Je vais entraîner ce môme parce que c'est notre dernière chance de survie. Quand vous aurez ressuscité Sangoku, dites-lui qu'il trouvera son fils en bien meilleure forme. Et ouais, il part s'entraîner avec Piccolo. Piccolo le laisse vraiment galérer. C'était bien connu ça. Niveau supérieur. Sonokoro. Une planète lointaine. C'est quoi, c'est Namek? Non, même pas. Raditz, cet enfoiré, il s'est fait tuer. Oh là là, musique, les gars. Il nous a toujours fait honte. Mais je dois l'admettre, ces Dragon Ball m'intriguent. Dragon Ball. Elles exaucent n'importe quel vœu, c'est ça? Très bien, on y va. On va faire revenir Raditz d'entre les morts? Ne dis pas des sottises, on n'a plus besoin de lui. Quel enfoiré. Nous pourrions demander à la jeunesse éternelle l'immortalité, tu imagines un peu? Rien ne pourrait se dresser sur notre chemin. Ça me va, j'en suis. Et ouais, et là ils prennent leur petite boule, là, leur capsule, leur vaisseau, et ils vont. Et ils vont sur la Terre. Motivés par la perspective d'accepter. On dirait c'est la fin d'un épisode de Dragon Ball là, tu vois. Avec la voix du mec qui narre. Ils se dirigent vers la Terre, très bien. Perfecto. Putain, les épisodes de ce jeu ils seront longs, hein. Ils seront chaque fois longs. Bon, là, il y aura des coupures et tout, mais je sais pas, on a combien de minutes. Là, je suis déjà à 50 minutes presque. Raditz le guerrier d'une redoutable efficacité, mais il finit par rendre l'âme suite au coup suicidaire de Sangoku et Piccolo. Malheureusement, Sangoku succombe à ses blessures. Ok, donc les chargements qui vont faire chier. Peut-être qu'à un moment donné, je vous couperai les chargements, parce que c'est vrai que c'est quand même long. Hein. C'est quand même à chaque fois au moins 30 secondes. Et s'il y en a 5-6 dans le truc, c'est... Les dangereux duos de Saiyan commençaient son périple vers la Terre. Pendant ce temps, Sangoku, ayant perdu la vie dans son combat contre Raditz, se tenait aux côtés du Tout-Puissant devant l'entrée de l'autre monde. Ah ouais, c'est vrai. Voilà pourquoi je ferai venir ici. Il doit poursuivre l'entraînement. Si vous m'y autorisez, Roi Enma, je vous demande humblement de le laisser rencontrer Kaio. Je vois, tu projettes de détourner cette âme en partance pour le paradis. Et de l'envoyer sur le chemin serpent, sur une voie exténuante longue d'un million de kilomètres pour qu'il s'entraîne avec Kaio. En effet. Très bien, tu t'attends quant à Kaio, je te conseille de mettre en chemin. Mais je te préviens, personne au grand jamais n'a réussi à franchir cette distance de 100 millions d'années. À part moi, bien sûr. Ça doit être un sacré voyage, je ferais mieux de m'y mettre en route. Au fait, est-ce qu'un dénommé Raditz s'est passé? Oh oui, lui, on a offert un aller simple pour l'enfer, bien sûr. Il a résisté? Plutôt, oui, il ne s'est pas laissé faire, mais il a fini par l'avoir. Wow, tu dois être sacrément puissant. Vous avez été envoyé ici en même temps, c'est ça?
Je suis le grand roi Enma, je suis le plus haut gardien de la Terre dans la hiérarchie. Tu sais ce que cela signifie? Ça veut dire que tu es drôlement balèze. Tu n'as pas l'air de comprendre évidemment que je le suis. Mais ce n'est pas une question de puissance, ce travail requiert des compétences managériales. Mana quoi? Alors, je vais te faire passer un quiz pour t'aider à comprendre. Je n'ai pas trop le temps. Si tu le prends comme ça, j'imagine que tu n'as pas besoin de voir Caillou. Hein? Mais si. D'accord, pour le quiz. Ok, il va faire un quiz. Quoi? Merde. Ou Radis. Ah ouais, bah ouais, putain, merde. Enfer. Ok. Bref, il a semé le chaos sur tellement de planètes qu'il a eu ce qu'il méritait. En fait, ce n'est pas l'un des pires fauteurs de troubles auxquels nous avons eu affaire. Bien, question suivante. Qui est le plus puissant? Roenma. Roenma. C'est ça, évidemment, je suis beaucoup plus puissant. Pas vrai, tout puissant? Quel enfoiré. Si, Roenma, vous êtes le plus puissant. Bien, question suivante. Quand l'heure a sonné, qui juge-t-on ici? Littéralement uniquement tout le monde. Très bien. Exact, quelle que soit leur origine, tous ceux qui meurent passent par ici. Ton frère, par exemple, ce n'est pas un terrien. Question suivante. Est-il possible de ramener un défunt à la vie? Ouais. Bon, ça a l'air con, hein. Pas mal, c'est exact. Ces satanés Dragon Ball permettent de ressusciter quelqu'un. Je ne supporte pas ces boules et les remettent en cause tout mon travail. Qui les a créés, d'ailleurs? Tu nous éclaires, tout puissant. Roanma, passons, on continue. À quelle question sommes-nous? Cinquième. Non, putain. Mais c'est faux, hein? Quoi? C'est la cinquième question, pas vrai? C'est vrai? Une, deux, trois. Bien sûr, c'était... Tu as réussi. C'est la vraie cinquième question. Mauvaise foi caractéristique. J'ai entendu tout puissant, je t'enverrai peut-être en enfer quand ce sera ton tour. Veuillez m'excuser, votre Altesse. C'est ce qu'on appelle avoir une oreille d'enfer. Mais tu te crois drôle, toi. Bon, ça suffit. Je vais t'autoriser à voir Caillou. C'est vrai, mille merci, monsieur Enma. Ne me dis pas que tu as oublié à qui tu t'adressais. Non, monsieur Roi Enma. J'aime mieux ça. Tu vas voir Caillou, c'est maintenant. C'est ici que ce chômage se sépare. Bonne chance, Son Goku. Merci, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de rencontrer ce Caillou. Très bien. Ah, on a deux emblèmes en plus. Putain, stylé. Roi Enma est le tout puissant. Ok, niveau de communauté, ok. Très bien. Et je dois les mettre où en fait? Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode, les gars. Parce qu'on est déjà, je suis déjà plus de 50 minutes et sinon ça va être trop long. Déjà que les deux premiers ont été quand même plus longs que les autres. En tout cas, les gars, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. À mettre un j'aime, un commentaire comme d'habitude. Allez voir mes autres vidéos, pourquoi pas. On se retrouvera pour le quatrième épisode qui reprendra vraiment juste après ça. Moi, je vais tourner directement maintenant, donc voilà. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent, on est en route vers les 2200 abonnés les gars, c'est vraiment pas mal du tout. C'est le cas certé.